Les salariés de la Redoute ne relâchent pas la pression. Aujourd'hui, les employés ont manifesté devant le siège du groupe à Roubaix. C'est la quatrième action en moins d'une semaine. Les syndicats souhaitent faire pression aujourd'hui sur un nouveau comité d'entreprise qui devait aborder le transfert de 220 postes de la Redoute vers Diam, une filiale du groupe. Selon eux, les salariés concernés subiraient des pertes de salaire, une information démentie par la direction. Aujourd'hui, Hervé Novelli était dans la métropole. Le secrétaire d'État chargé du commerce s'est rendu aux Trois Suisses, l'un des concurrents de la Redoute. Notre reporter Élodie Bernachon en a profité pour lui demander son avis à propos de ce conflit à Diam. On l'écoute. Je pense que c'est toujours très difficile. Les mutations, elles s'accompagnent à la fois de destruction et de destruction en emploi, mais aussi de création d'emplois. Et on le voit dans l'explosion des sites de vente par Internet. Et c'est un encouragement que de voir que des entreprises qui pouvaient être fragilisées par ces mutations se jettent à bras-le-corps dans cette forme de vente et surmontent les défis.